si Tirol en connaît que li poko gen cob là et puis li bon chèque li dou aller dans tel banque à la prendre cob là lor il va pas venir ça rele C'est un moyen de paiement qui gagne en Haïti à travers le monde. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur plateforme Paula, plateforme qui toujours apporte des sujets qui instructifs pour sujets qui ont rapport avec droit, sujets qui ont rapport avec santé, économie et la trier. Je dis à c'est avec un pile plaisir de recevoir sur plateau nous consultant juridique, nous mettre France aux gens. Yon moun ke ou habitué avec lui parce que toujours apporte des émissions qui ont rapport avec science juridique avec droit en de manière générale côté que toujours apporter des sujets qui éclairer l'antenne sur des sujets qui extrêmement important dans la société. Avec les jodiens pour parler de questions chèque sans provision. Donc Jean émission dit dans titre. Nous parlons qui ça un chèque qui l'aime parler de un chèque sans provision qui ça qui constitue un chèque de manière générale. Nous parlons qui action capable intenter en justice contre un monde qui boit un chèque sans provision, tandis qu'il devait garantir qu'il va avoir une provision sur lui. Comme nous connaissons, il est capable de faire un cadeau et combattre à travers chèque, il est capable de payer un à travers chèque tout. Donc nous parlons si c'est cadeau, faut cadeau chèque. Il boit cob et puis c'est à travers un chèque, il va ouvrir. Si c'est PO, salé ou à travers un chèque tout sans provision, nous parlons qui sont capables de faire si toutefois. Il n'y a pas de provision sur lui, il vient dans le bouclier de madame. Monsieur, désolé, chèque ça, pas de provision sur lui, nous pas capable de boire somme qui dans le chèque là. Émission ça va pas être possible sans bourrade qui côté, sans bourrade CP photographie ou même qui nouveau sur chaîne là. N'a pas nous capable abonner Kounia et cliquer sur clochette notification pour rater aucune nouvelle publication parce que nous publions deux fois par semaine, à savoir mercredi et samedi 5h de l'après-midi. Nous allons recevoir Maître François Jean, nous sommes capables de parler de chèque sans provision, mais c'est tout de suite après pause là. Madame, Monsieur, merci parce que vous êtes fidèle. Je t'ai annoncé l'introduction. Nous sommes ensemble avec nos consultants juridiques, nous, Maître François Jean, pour le troisième par exemple pour l'année 2023. Avec lui, nous allons parler de question chèque sans provision. Je t'ai annoncé avant pause là. Maître François, bonsoir et bienvenue sur le plateau Entretien de Milieu. Bonsoir Semi, bonsoir à tous internautes à l'entretien de milieu. Donc, m'a profité de mon bonne et heureuse année 2023 parce que beaucoup salué moi même pas de année. Donc, c'est un plaisir encore année ça et nous venons pour nous servir. Voilà, nous venons pour nous servir mon mais sauf que dans pile monde qui pas d'accord le fait que l'année dit bonne et heureuse année 2023, on cap dit bon combat et courage bon combat. Parce qu'il a dit que il pas arrêté quoi il va changer la situation pays ailleurs. Par contre, sous pessimiste ou bien sous optimiste par rapport à ça. Même toujours optimiste et surtout nous même et changement lié écrit à l'encre d'or dans tête nous. Donc il faut que nous optimiste, faut que nous croyons que gagne bagaille et cap changer. Donc même si nous ouais il y a peu l'ouvre porte pour nous partir et pas tout pour nous partir. Oui, bon, question pour qu'il y a beaucoup de ça me réserve sur lui parce que actuellement, bon, peut-être nous avons une préparation émission sur ça, mais il y a un pile en jeu là-dedans, donc il y a un bagage pour comprendre sur le dossier ça. Mais ça qui est important, c'est parce que il y a deux mondes dans l'équipe là, moi je connais qui ferme sur décision, qui croit qu'il y a une ça, il y a plein d'autres années. Blague. Voilà, non, la violence à niveau, par exemple, même très positif, il y a Sébastien Petit dans l'équipe là qui est très positif, donc moi je crois que l'année là est très positif pour membres de l'équipe là et pour la population tout. Bon, nous espérons ça. Nous espérons ça. Voilà, donc nous ne parlons pas de l'année 2023 pour nous faire une perspective sur lui, mais plutôt nous parler d'un sujet qui est assez particulier, sujet à ces questions chèque sans provision. Mais si on parle de chèque sans provision, faut que nous arrêtions méthodique pour nous dire mon qui ça un chèque, qui est capable de chèque, mettre fin à ce genre. Ok, bon, et moi-même comme consultant juridique entretien 2000, donc c'est ma travail, donc faut que me toucher. Donc, pas une bouche un chèque qui va vous aider déjà jusqu'à vous avez beaucoup vérifié chèque là mais on espère une provision. De toute façon dis-moi qui ça chèque. Bon et j'aime ça dire là donc puisque ma travail il faut que moi toucher et pour me toucher il y a un moyen de paiement et bien chèque
c'est un moyen de paiement. Donc, et généralement, nous avons parlé de monnaie. Parce que pour nous parler de monnaie, il y a deux catégories de monnaie. Il y a ce que monnaie fiduciaire, ça nous relève tant que billets, pièces. Et puis tout, il y a ce que les monnaies scripturales, crypto-monnaie. Donc, échec là fait partie de crypto-monnaie. Parce que c'est écriture et qui sous compte au monde. Donc, ce n'est pas comme là, ils mettent sous compte monnaie. Et pas billets, ils mettent sous compte monnaie, mais c'est une écriture. Donc, et en résumé, échec là, c'est un moyen de paiement. Mais alors, et juste avant semi, et lundi, c'est un moyen de paiement. Et il y a trois personnes qui entrent en ligne de compte dans la question du chèque là. Il y a ça que les tireurs, il y a ça que les tirés, il y a un bénéficiaire. On prend une parole pour nous qui ça oui et tireur là c'est par exemple est propriétaire et une entreprise quelconque c'est un tireur tireur là c'est une banque yon banque ou bien yon nous bien comprendre par exemple entretien 2000 c'est tireur par exemple c'est tireur là et puis entretien 2000 dit la paye tout employé mais c'est dans une banque dans et dans pays donc banque ça c'est un tiré. Mais maintenant, employé entretien 2000 ans, c'est bénéficiaire. Voilà. Donc, c'est trois mondes qui entrent en ligne de compte pour nous parler de chèque. Mais ça, pour nous, aucun chèque là, c'est un moyen de paiement. Chèque là, c'est un moyen de paiement. Donc, il y a trois bagages qui entrent là-dedans. C'est un tireur, un bénéficiaire. Donc, il faut que nous retenions les choses bien. Mais quand on a parlé de chèque là, donc, pas oublier dans la petite émission, c'est chèque sans provision, c'est chèque nous avec sa chèque. On voit qu'il est un chèque capable sans ou bien avec provision. Ok, un chèque sans provision. Donc, si nous disons que le chèque là, c'est un moyen de paiement, donc, et le bénéficiaire là, aller à la banque et puis. Et caissier là bien caissier a dit que monsieur madame et l'argent pas disponible donc ou du moins et monde qui t'a supposé mettre cob là sous compte là il pas mettre donc et le ça ou gain chèque là non mais c'est un bout de papier parce que et pas gain l'argent sous compte monde là et pour caissier bien caissier là beaucoup là oui y a et tireur là donc et pas institution bien entreprise dans qui t'a supposé émettre chèque là donc li pa gen moyen et li pa gen liquide et sous compte li et pour bénéficiaire là qu'avant une cobla voilà donc moi il met un chèque de 10000 goud ou bien 15000 goud avec yon moun entretien 2000 par exemple et puis là la banque et puis li pa jeune dit pas rien comme ça sous compte là laisse parler de chèque sans provision voilà quand moi mettons mon chèque sans provision et puis malgré n'a tenté entrer en contact ensemble avec moi donc m'a fait la chèque de reste bien m'a ignoré li qui ça la loi dit pour ça qui statut juridique qui ça mon capable fait en termes de mesures capable prendre en façon pour capable joindre l'agence ça pour récupérer des balles chèque sa provision. OK donc d'ailleurs et ça qui belle dans droit c'est que le yo dit on bagaille mon en violer et gain ça que les sanctions donc c'est ça qui fait droit belle même. Et dans article 337 code pénal là il parle de escroquerie. Donc et le yo mon fait ça c'est une escroquerie que le fait. Pour qui ça? Parce que et le yon moun a travail avec le rivé et pour payer gen trois bagay qui entrent en ligne de compte. D'abord faut et l'argent ou disposé pour moun nan faut que li exigible faut que li liquide faut que li réel. On n'a pas yon par yon parce que faut et internaute entretien 2 millions comprendre et ça n'a pas là. Exactement. D'abord, nous dit que et moyen de paiement faut que li réel. Ça veut dire que faut que mon gen cob la sous compte li. Donc là, li réel. Maintenant, faut que li liquide. C'est que li ka toujours gen moyen sous compte li mais pas disponible pour vous. Et ensuite faut que li exigible, c'est-à-dire que faut que l'homme mon ante signe contrat, veut dire que m'a paye au chaque 28 dans mois. Depuis 28 l'arrivé, donc faut que payer le ça et moyen vin dette la vin exigible. Maintenant si moun ou bien tireur là et comme te t'en expliquer moun qui ça et tireur là et si tireur là connaît que li poko gen cob là et puis li bon chèque li dou aller dans tel banque à la cob là lor il pas venir le ça c'est ça relé escroquerie et dans article 337 code pénal haïtien yo dit que yon moun qui employé yon manœuvre frauduleuse et pour arriver à atteindre yon objectif par exemple que c'est moun ap nuit pou le payer
Et dit que bien si mon chèque ça va quitter mon repos. Mais mon en connaît que chèque là que belle elle pas gain provision. Le ça c'est une infraction à la loi pénale. Et si nous dit infraction et pour monde qui suivre nous infraction donc c'est une action qui prévue et punie par la loi. Donc une fois que vous faites donc il y a une peine qui est réservée pour vous. Voilà, donc nous en conclusion partie ça, nous devons comprendre que les que yon tireur boyon chèque sans provision mettre François Jean ici yon infraction. Yon infraction et infraction ça relé escroquerie. Escroquerie. Bon, donc souhaiter que en pile propriétaire entreprise éviter pour que capable arriver dans situation ça parce que kounya nous connaît les que ou bayon chèque sans provision ici yon infraction et li puni par la loi. Par la loi. Ça et combien temps ça capable risquer. Bon, escroquerie c'est yon infraction qui est qui mineur donc et mon an et ap, bien pour passer au moins d'un an donc il y a mon tout par exemple ça arrive que moi bay plusieurs chèques et puis moi pas contrôlé donc que m'pa gen temps ou bien et comptabilité m'pa à 3 jours donc prend un chèque sans provision pendant une année et si ça me répété pendant 2-3 fois ou bien jusqu'à 4 fois même est-ce que on capable bien poursuite pénale donc qui ça la loi dit ça bien moi, sûr si on capable plaider bay chèque sans provision il y a là gain deux aspects là il y a un aspect pénal il y a un aspect administratif parce que question de entreprise donc ministère du commerce et gérer ça tout donc si yo estimé que pendant année mon a plaider bay chèque sans provision et mon en fait à dessein mon connaît que li pa gen moyen et sous compte li mais li juste bay chèque yo et le sa ministère du commerce et ka camper entre président le ka retirer licence mon nan tout ça et le ka retirer patente li parce que mon en fait et de plein gré le connaît que échec la pa gen provision et li bay li donc et le sa ministère du commerce et ta supposé prendre et décision nécessaire. Voilà, et qui instance dans la justice la mettre fin sous jambes? Je ne fais pas émission sur l'instance déjà. Bon, si nous faisons la fête, nous allons changer sur l'instance qui gagne et coup d'appel, etc. Donc, nous ne pouvons pas parler de cette vidéo-là. Mais qui bon, nous n'avons pas gagné recours si toutefois, il est arrivé à faire un chèque sans provision contre un tireur, par exemple, un bénéficiaire contre un tireur. Ok, c'est une très belle question. Alors, nous avons parlé de escroquerie. Escroquerie, c'est une infraction à la loi pénale. Depuis c'est une infraction à la loi pénale, donc c'est tribunaux de droit commun qui est qui compétent. Donc et puisque escroquerie c'est une infraction à la loi pénale, donc et tribunal instance est qui compétent pour tendre, donc c'est tribunal de droit commun. Donc et tribunal et première instance qui l'a. Donc et pour autant de monde normalement et puis appliquer peine nécessaire. Mais il y a un bagage qui est très important c'est mi faut qu'on dit mon yo. Donc comment on peut prouver que chèque là sans provision parce que dans droit et tout fait avancer doit être prouvé. Donc c'est pas dim pas vinn dit que j'ai un chèque sans provision dans même. Qui ça a fait? Donc c'est un huissier par exemple et yo fait un bon chèque là moi ouais chèque là pas gain provision sur lui. L'origine la banque là. Oui, moi viens dans la banque là pas gain provision. Maintenant qui ça me va le faire? Me va le bailler un huissier chèque là. Huissier pour aller venir sous caisse là, il dit que il vient changer un chèque et puis le ça dit monsieur chèque là pas gain provision et le ça et huissier a verbalisé ça que s'il a dit. Mais là quand on bail dans procédure là donc si chèque là pas fait tourner ici à faut commencer mon nan qui non la accompagner voilà et le mieux comprendre exactement donc mon nan doit accompagner pour que ça c'est parce que c'est huissier qui gagne autorité pour verbaliser que et alors chèque là pas gagne provision et le ça avec ça ou gagne une pièce à conviction qui prouve que donc et yo te bon chèque et puis chèque là pas gagne provision mais qu'on y a là et j'en dis la procédure qui apparaît simple pour un pile monde on a dit son procédure qui est très simple donc on est venu donc il y a un monde qui jeune un chèque sans provision patron le doit bal chèque sans provision donc qui ça capable faire en premier est-ce qu'il doit essayer gérer ça de manière conventionnelle avec patron li à le bureau li dire ça privé ou bien tout de suite pour qu'il y aller la justice pour qu'il capable tirer ça au clair. OK alors dans article 223 code commerce haïtien
Donc, il dit que échec provision, donc, c'est un escroquerie, même j'en tout, article 337 et code pénal là. Donc, il y a un code commerçant qui traite ça dans l'article 223, il y a un code pénal là qui traite ça dans l'article 237 là. Il y a tous les deux parlé de escroquerie. Et dans le code pénal là, dans l'article 237 là, il y a défini qui ça escroquerie. Maintenant, si vous constatez que c'est une infraction, donc infraction à la loi pénale, donc, bon, jusqu'à présent, escroquerie fait partie de ça que les infractions privées. Infraction privée a dit qui ça? Infraction privée a dit que et deux moun yo ka mette tête ensemble pour régler ça sans on pas besoin aller à l'amiable. Amiable, oui. Donc sans yo pas besoin aller la justice. Qui différent de gain infraction yo même qui pas infraction privée. Par exemple, si on moun viole un moun, même si victime n'a pas le porter plainte, donc avec une dénonciation ou bien si commissaire gouvernement au courant que gain un viol qui fait, donc la mettre action publique en mouvement, donc li pas besoin victime là, parce que et dans cas ça, dans cas viol là qui pas une infraction privée, donc victime n'a pas partie principale. Partie principale là c'est commissaire gouvernement, parce que c'est pas seulement victime là, c'est pas seulement moun qui victime là qui subit action, population en tout, société en tout est victime de ça. Donc mais dans cas escroquerie, donc c'est une infraction privée. Donc c'est moi même avocat qui te connaît comme ou c'est patron, mais puis et ou ben mon chèque sans provision, donc mon gars choisi moi rejoindre avocat, nous régler ça. Donc ça veut dire que si me choisir régler ça amiablement, donc il pas problème. A gagne mal dans ça tout si toutefois moi il met un chèque ba yon d'ayon tireur par exemple, comme faut pas confondre lui. C'est bien tireur. Voilà, et puis moi il met un chèque ba yon bénéficiaire. Donc puis moi dit bénéficiaire là, donc il ca changer chèque là telle date, c'est parti de telle date qu'a gagne provision sur lui. Là pas gagne problème sur ça. Non, parce que et c'est ça nous parler de exigibilité de la dette. Donc nous t'entendre sur ça, on dit que c'est comme bon chèque là parce que moi pas parti, moi pas gagne ancien. Bon chèque là mais c'est telle là gagne provision sur lui. Le ça, si ou aller avant, c'est pas mon nom. Parce que vous avez accepté que mon nom bon chèque là, mais c'est dans telle date la bien provision sur lui. Et c'est l'heure date l'arrivée, c'est l'heure ça, et chèque là vient exigible. Parce que délai a beaucoup écoulé, tout un délai a beaucoup écoulé, donc chèque là beaucoup exigible. Moi, je pose une question, ça quand même, vous capable de dire, parce que vous avez besoin, si toutefois, vous avez besoin de quitter ça pour vous qui dans le secteur bancaire là, si toutefois, moi, je viens avec un chèque qui est sans provision dans la banque, à force que mon tireur là qu'on a habitué à chèque sans provision, est-ce que banque là une provision légale pour dire qu'un chèque ça le fait que il joue un trop chèque de la part de un tel ou bien de mettre compte là qu'a bail trop chèque sans provision. Bon et Jean ou t'es dit là ça est plus ça les pour monde qui dans domaine banque là, mais on pensait que est légalement et pour là parce que ça a toujours été une infraction privée. Donc et banque là donc et seulement ça mon a dit pas une provision. Légalement pas là parce que lui toujours entré dans infraction et privé. Donc comme bah connaît et monde qui dans domaine bancaire yo ka gagne une explication sur ça. Mais légalement parlant, c'est moi-même qui victime, c'est moi-même qui connais est-ce que m'a fait suivi. Si m'a pas choisi faire suivi, donc et banque là pas ka dit la kembel et tout ça. Voilà, maintenant sur Jean nous pratiquement gagne une quinzaine de minutes depuis qu'on a parlé de chèque sans provision. Donc parce que on y a assez comprendre qui ça un chèque qui est capable de chèque sans provision. Sous bon conseil, donc en guise de conclusion qui va bailler un tireur, donc on va toujours bailler avec un bénéficiaire, c'est qui ça tapie face avec une telle situation. Bon, et qui ça et tapie juste avant, faut que moi dis mon yo que il y a pas de prendre plaisir dans bailler mon chèque sa provision, parce que et même gens yo toujours dit en Haïti pas gain justice, c'est pas vrai, mais c'est l'heure pour qu'on mette main sur. Parce que dans article 223 code commerce là, yo dit que yo moun qui a plaidé bail chèque sans provision à répétition, yo ka interdit moun ça exercer activité commerce pendant 5 ans. Donc et puis tout et banque et alors BRH et qui c'est banque comment qui banque quand même banque de la République d'Haïti, donc li capable interdit alors li ka camper et chéquier et tirer là donc pendant 5 ans. Donc c'est un ensemble de décisions que d'autres administratives que vous prenez. Donc vous avez dit que pendant 5 ans, vous n'avez jamais exercé l'activité commerce encore. Et vous avez bloqué chez qui ou tout ça. Et pas oublier l'aspect pénal. Donc il y a prison dans la bagarre parce que escroquerie, c'est une infraction à la loi pénale.
Donc tout ça. Donc et puis tout conseil m'a porté et pour yon bénéficiaire donc qui et qui victime de ça. Donc là ou pral porter plainte yon ensemble de pièces que ou doit porter. D'abord, faut porter chèque sans provision. Hein. Faut porter procès verbal que huissier a te fait dans banque là. Et puis tout et faut te gétan porter plainte. Faut venir avec plainte là et donc et soit ou faire directement au parquet ou du moins et ou qu'a fait le veillon juge d'instruction ou du moins et citation directe et citation directe donc et c'est que c'est mon directement qui en cause là et ou citer dans tribunal là pour la répondre question la justice. Donc c'est un ensemble de procédures que yon moun qui subit de ça est capable de faire. Donc généralement leur ba moun yo chèque sans provision pour même c'est une formalité. Donc et yo ba moun un chèque sans provision l'aller dans banque là faire corvé après li relé patron dit pas gain provision non. Et nous connons un système bancaire là en Haïti qu'on peut faire dans banque. Oui, oui, imaginez ou faire une journée dans banque et puis leur récit rivé sous caisse là dans 3h30 et puis yo dit et monsieur madame chèque ça pas gain provision. Et puis ou prend valise ou bien sérieux ou entrer la caillou et puis patron même la rien dans sous pendant que il était connait préalablement chèque là pas gain provision. Donc c'est nous même pour qui fait la justice appliquer, c'est nous pour faire la loi appliquer, porter plainte pour patron parce que c'est pas un cadeau la force, c'est travail ou travail et faut qu'il paye parce que chèque là son moyen de paiement. Et qu'on y a ici son cadeau mon affaire mettre prendre ce genre. Donc par exemple nous avons un cadeau de 20 000 gouttes. Donc là est-ce que moi j'ai obligation de... Bien sûr, parce que le cadeau a tout un caractère exigible, parce que vous avez fait une promesse là. Et en créole, vous avez dit promesse. Vous dites que vous avez fait un cadeau, vous avez fait un cadeau. Moi, j'ai mis espoir sur lui, vous dites que vous avez fait un cadeau de 20 000 gouttes. J'ai fait un budget sur 20 000 gouttes, et puis j'ai acheté à faire mon crédit. J'ai dit que l'homme fin pour 20 000 gouttes, je vais payer. Donc, il y a un monde qui est là, qui est capitaine de moi, parce que je suis là, je vais chercher l'argent pour me payer. Et me dit acheter du crédit et me dit madame préparer chaudière et mettez chaudière chaud. Donc et puis le mouvement de la banque là il dit chèque ça pas gain provision, c'est toujours escroquerie parce que c'est une manœuvre frauduleuse que patron employé ou bien monde qui t'a fait un cadeau employé et pour dire que les banques ont chèque et pour le faire être plaisir, c'est toujours une manœuvre frauduleuse, c'est toujours une escroquerie, c'est même bagaille. Voilà mes frères et sœurs, c'est un plaisir de gagner sur plateau. Donc pour troisième sortie nous pour année 2023, nous avons rendez-vous pour l'autre émission à venir pour nous faire pour l'année 2023. Sans doute nous avons un pile rubrique juridique comme ça pour internet entretien de milieu. Au cas où vous remerciez la défense, cabinet d'avocat, on va finir. Exactement. Alors et Jean Sodilan et nous avons la défense cabinet d'avocat, nous avons Delma 40 et en face pompe DNCA. Donc dans 2-5 ans. Donc et tout problème d'ordre juridique que vous gagnez, passez ou nous là, et puis tout vous carrez nous dans 41-85-404, et le savoir, contact avec nous, et puis j'en toujours dit, nos avocats sont avocats. Voilà, et vous avez une responsabilité tout pour aller des chèques dans mes pompes DNC avec 5 points pour cette émission aujourd'hui. Hein? Donc pour voter dans l'administration entretien de l'administration, c'est un plaisir, bonne année encore. Merci. À la prochaine. Voilà, donc émission ça finit sur une très belle note. Donc notre question si au focado, il y a 30 40 000 gouttes dans un chèque et puis pas une provision là, donc qui ça doit faire? Bon, même juger le mal moi mieux faire un cadeau en 30 000 gouttes et puis moi mal imagine une provision, je vais reler mon nom, je vais dire pas une provision, même intente action justice pour lui. Bon, décision à venir pour vous et vous comptez faire ou bien soit suivre mettre France aux gens, soit reler mon en justice, pas connaître, ça va dépendre de ou même de bonne foi, monde qui était bon chèque là. Pas jamais oublier madame monsieur, émission ça va pas arriver possible sans Sébastien Petit. Qui côté sans la défense cabinet d'avocat qui toujours mettait maître France Jean consultant juridique nous à disposition nous pour parler questions qui ont rapport avec science juridique avec droit de manière générale madame monsieur. Donc nous rendez-vous semaine prochaine pour une autre sortie de entretien 2000. Restez sur la chaîne pour que vous partagez contenu nous parce que le partager contenu nous c'est une façon pour encourager notre travail à faire. Merci à toutes supporter nous rendez-vous encore une fois semaine prochaine pour une autre sortie de entretien 2000. Restez sur la chaîne madame monsieur.